que est-ce que un complot qui visait à assassiner le président de la République dans la chambre la Kaili, est-ce que n'est pas légitime pour nous croire que CIA est impliqué? Les peut-être légitime, mais il est imprudent. Parce qu'il n'y a pas d'éléments sur ça. Et CIA, qui est salié, en origine, comment ils ont formé CIA, et ils sont sortis de la guerre déjà, donc ils n'ont pas écarté la violence. Cependant, la CIA gagne d'autres armes et d'autres instruments, d'autres façons de faire, s'ils voulaient un résultat. CIA, pas. Enfin, moi-même, ça me connaît, je ne connais rien d'organisme, mais cependant, organiser l'assassinat d'un chef d'État étranger, spontanément, moi personnellement, j'ai des doutes. J'ai des doutes, d'accord? Qu'il était au courant, qu'il n'y a pas d'informations, qu'il les gagné, c'est possible, mais organiser, c'est-à-dire ou contrôler l'itinéraire, ou contrôler comment elle va le passer. Les tenants et aboutissants, donc il m'a dit, comprendre, et pour lui-même, qui intéresse rien? Ils sont organismes américains. Qui intéresse les États-Unis à gagner ou autoriser que 11 institutions de l'État participent ou commanditent au meurtre d'un pays étranger, d'accord, si on pas ou intérêt particulier ou même, si les États-Unis pas ont intérêt de nous barrer ça. D'accord? Donc, il vaut mieux, c'est pourquoi je dis que c'est imprudent. Est-ce que Parce que c'est facile de dire un tel capable complice, mais attention, attention. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle institution. Ce sont des institutions de grande résonance et qui gagnent peut-être une certaine autonomie là-dessus, mais qui dépendent d'un gouvernement étranger. Oui, tout à fait. Est-ce que Donc, il quelque faut faire part, attention. et à aucun moment, Jovenel Moïse pas capable représenter ou bien constituer une sorte de colis encombrant, notamment pour le monde qui t'a supporté le nom? Un collier en commun, c'est-à-dire, mais il y a des moyens, si l'État supporte lui, il y a des moyens pour faire pression sur lui. Il a besoin de tuer. Enfin, je parle de manière légère à propos de drame, mais écoute, tu sais, parce que c'est vraiment la solution ultime. Ultime, c'est pas pour rien qu'on est dans toute la presse internationale, des gouvernements étrangers, des institutions étrangères, ils ont horrifié, et ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment les extrêmes. L'homme d'a fait cours de géopolitique avec Raymond Aron, il a toujours gagné expression ça, l'extrême. Avant qu'un gouvernement ne parvienne aux extrêmes, il faut quand même un cheminement. Il faut des intérêts, il faut le rafraîchissement des intérêts à chaque étape de ce cheminement jusqu'à ce qu'on arrive vraiment aux extrêmes. Donc, je crois on saura. Mais je pense que les gens qui pensent enfin, pardonnez-moi, ils pensent spontanément que blanc, tant qu'on dit, capable mêler avec ça, attention, c'est dangereux, c'est imprudent, parce qu'on n'a pas d'éléments. Maintenant, par rapport à la façon que l'enquête a avancé à lui-même, et gagné FBI qui est impliqué là-dedans, donc les États-Unis, Oui. maintenant on plaint au niveau de DCPJ, côté que experts internationaux, ils voulaient pour interroger un suspect, monde que ont arrêté, sans présence experts nationaux. Est-ce que ça n'a Bon, pas été supposé suspect? non, c'est là qu'arrive vraiment le problème de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que quelque chose qui s'est passé dans mon pays, sur mon territoire, ouais, qui implique des nationaux, des compatriotes, ont arrêté, qui responsabilité première, qui monde qui gagne, la police nationale. Maintenant, malheureusement, vous pensez que le Premier ministre a fait trop rapidement appel au FBI. Trop vite. Mais, cependant, c'est fait. Donc, le FBI est présent. Eh bien, le FBI est là pour aider. Et si on ne va pas appliquer les lois de pays, il faut reconnaître que, par exemple, on n'est pas capable d'interroger un monde sans la présence de son avocat. Donc, nous avons des lois. Donc, si on vient aider, moi, dans ces conditions, essayer qu'on ait qui l'aura comme gagné et dans quelle mesure, jusqu'à quelle limite qu'on est capable d'aider.
C'est ça. Mm-hmm. Ça, c'est le problème de la souveraineté nationale. Mm-hmm. C'est très délicat, c'est très difficile à comprendre. Ouais. D'accord ? Mais néanmoins, ça existe. Ouais. Et je pense que, comme se dit, c'est tout de suite qu'il fait appel au FBI. Et non. Essayez qu'on ait qui ça, police pas capable de faire. D'accord. Il y a des gens qui ont point de vue ça, Mme Maniga, pour une raison très simple, parce qu'ils disent qu'à aucun moment, ils n'ont pas de fait et l'autorité haïtienne n'a confiance dans la question enquête. C'est exact. D'autant qu'ils ont suspecté eux-mêmes. Bon, d'accord. C'est-à-dire, j'ai parlé de la souveraineté nationale, qui est un principe juridique abstrait. Mais sur le concret, qui sa population a vive, effectivement, ont posé problème de confiance. C'est-à-dire qu'on dirait que population continue à rassurer, le reconnaît que FBI est là-dedans. Parce que FBI n'a pas les mêmes intérêts que la police nationale. C'est évident. D'accord ? Sans impliquer, au point de vue responsabilité, la police nationale, sans mettre en cause compétences techniques. Mais cependant, la population est capable de dire attention, est-ce que au corps de la police, quand il y en a plusieurs, pas impliqué dans la RSA. Mmh. D'accord ? Mais alors, je trouve que souveraineté nationale, là, il faut l'avancer, il faut défendre, mais il faut qu'on ait comment faire lui. Est-ce que pas si on va qu'à prendre le FBI, on va qu'à prendre comme accord, comme apport, comme bah, en plus, mais on va qu'à prendre comme Est-ce que pas gagner un risque, Mme Maniga, avec présence expert international à travers FBI, pour que Yota essaye disculper en nous dit des figures étrangères, notamment des Américains, qui t'a vraisemblablement participé dans le coup, par exemple? Ah, ça c'est très possible. Disculper des étrangers, disculper des Haïtiens, tout. D'accord, c'est-à-dire le problème en situation de ce genre, qui a intérêt à faire quoi? D'accord, un corps étranger ou invité vient participer avec vous dans la recherche de la vérité, par exemple. Mais vérité, ça, il est capable de prendre à moitié ou en totalité, ou même au balil à moitié ou en totalité. Il faut savoir quel est l'intérêt. Et est-ce que FBI ou bien CIA ou bien d'autres institutions américaines qui plus moins connues que FBI, que ils ont intérêt, ils ont gagné un contact avec des Haïtiens, Haïtiens au même tout. Est-ce que ils ont pas gagné moyen, je dis bien moyen politique et moyen matériel pour ils ont contourné ou enquête qui t'a capable d'une trop sur eux. Ça, il y a beaucoup de non-dits dans Baraïsa. Et il faut tenir compte de ces non-dits. C'est-à-dire qu'il faut poser questions. Et questions, ils n'ont pas gagné réponse tout de suite, mais les questions sont là. Donc, soit dit, hein, effectivement, et moi je pense que c'est le droit de la population haïtienne pour le connaître. Le problème, c'est que Gampil parle en pile et il n'y a pas de moyens matériels pour les. Je connais dissocier le non-dit et le dit. Et dès que vous parlez de corps étranger, vous parlez de FBI, vous parlez des États-Unis, vous parlez de blancs, qu'on aurait même dit en Haïti, eh bien, il y a quand même une sorte de flou qui, dans l'esprit des Haïtiens, qui est difficile de dissiper, sinon par la vérité. Ok, puisque nous parlons de. Participation de mercenaires, utilisation de mercenaires, non coup comme ça. Et qu'adviendrait-il si nous t'avons revivre expérience cette mercenaire yo, qui t'est venu nous sauver sous l'administration Moïse Seyan, et que yo vini yo juste pour yo transporté à l'étranger, ça passait comme une lettre à la poste, et si t'as gagné une tentative comme ça qui t'a voulu fait qui il y a le risque qui pour nous ta positionner nous par rapport à on va comme ça il y a le risque bon comment nous ta positionner le monde qui est pour ta positionner d'abord c'est la police et le gouvernement qui va s'installer et c'est peut-être ça m'a insisté sur la souveraineté nationale c'est-à-dire que c'est un problème haïtien d'abord et qui met en cause quand même des institutions
des secteurs, des intérêts nationaux. Donc, il faut quand même avoir le courage de faire face. Bah, qui passait avec cette mission, j'étais très bien, bah, et ça, c'était une honte. Ils ont entré, ils ont fait ça avec quelqu'un pour faire, ils ont pas arrêté eux, après ça, ils ont repris l'avion, ils allaient. Et l'ambassade américaine les avait aidés à s'évader, oui. À partir. Oui. Cette fois-ci, il n'y a pas, à ma connaissance, mon haïtiano-américain qui a arrêté, mais ils sont surtout des Colombiens. Bon, qui sont là. Comment se déroule l'interrogatoire? Est-ce que l'individuel, est-ce que c'est un interrogatoire de groupe, etc. Est-ce que en général, ça se fait en plusieurs temps. Avocat pour eux. Mais en général, ça se fait en plusieurs temps, Madame Maniga. C'est-à-dire, il fait interrogatoire individuel, après ça, on fait confrontation, ça dépend. Ça dépend de besoin. Ouais. C'est ça. On dit, il y a une information, et puis il y a besoin, et on a dit, et comparer avec l'autre information qu'on l'autre bail, ça fait de temps en temps. Ça veut dire qu'il y a rien de là, il y a subi 5 à 7 interrogatoires déjà. D'accord. Et en outre, il faut reconnaître aussi, d'après ce qui se dit, ce qui est divulgué, ce qui est dit dans la presse internationale, que tout connaît la totalité de qui ça veut dire. Oui. Il n'y a pas de connaît pour être tué un président, oui. Par exemple. Il y a dit qu'il connaît à venir pour arrêter un gros VIP, etc. Yeah. Donc, mais alors tout ceci doit être ramené à un puzzle où on a toutes les pièces devant. Il faut essayer d'accorder les pièces pour que ça, le point A avec le point B, est-ce que y a considérable, etc. Est-ce que Gaillet y a une idée générale qui est capable de dégager? Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas, enfin à mon sens, que l'interrogatoire dure trop longtemps. Il faut que le public soit au courant. On n'a pas besoin de mettre le public là au courant de tout. Ça ne se fait jamais. Un gouvernement ne dévoile pas toutes ses armes, à tout que je gagne. Okay. Mais cependant, l'essentiel, oui, il faut quand même que le public le sache. Tout à fait. Alors là, je voulais tout d'abord, et passer en revue ce qui est passé là, prendre point de vue sous lit, et puis garder l'évolution enquête là, et qui ça ou même ou penser. Maintenant, en nous gardons un deuxième aspect, qui c'est l'aspect juridique de la question. Madame Maniga, et deux jours avant Jovenel Moïse assassiné, Tegetan a une disposition qui prend pour remplacer le gouvernement que Claude Joseph a dirigé. Et qui vient fait que le choix de Ariel Henry était une sorte de choix qui était croqué non antenne, dans la mesure où l'hypotco prend investiture. Sur le plan du droit, sur le plan juridique, qui est Moun? Question sur le plan juridique, qui est ce monde qui était... On met l'imélo. Ok, allez-y. Le président n'était pas constitutionnel. Oui. Il avait terminé son mandat. Le premier ministre qui a été nommé, ensuite heureux, renommé, etc., pas constitutionnel quand il n'est pas passé devant le Parlement. On parle de... Il n'est pas passé devant le Parlement parce que pas qu'un Parlement. Oui. Ensuite, le président nommé un autre monde. L'IFEL, tant qu'on les prend, ils ont arrêté ou bien ils prennent un décret. C'est-à-dire, il n'y a pas de droit à faire, mais il fait. Et ça crée des situations concrètes. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont positionné trois secteurs. Gagné qui positionné pour ça, le sénateur Lambert a voulu faire. Gagné qui a appuyé l'ex-premier ministre Joseph. Gagné qui a appuyé le nouveau premier ministre. Au point que l'IPRAL est installé après-midi. Et moi, lundi, ma fait installation, je demande qui l'IPRAL est installé. On ne peut pas anticiper. On ne peut pas jusque là. Non, Attends, 6-7. Attendez, Madame Maniga. Nous sommes le 7 juillet. 7 juillet, il y a des gens qui plaignent parce qu'ils disent que Claude Joseph n'est pas de premier ministre encore, il n'est pas de gain droit à le prendre charge, annoncer ça, l'a pas annoncé. Il y a des gens qui disent que Ariel Henry tout lui-même n'est pas de couple pour investiture. Qui est-ce qui, en réalité, qui est-ce? Parce qu'on m'a posé la question, qui gouverne Haïti? Qui est-ce qui, en principe, de droit, t'as supposé à diriger? Bon, personne. Et je vais dire quelque chose. Je dois rappeler Leslie Maniga. On connaît comment elle était qu'on fait des analyses pointues. Et si Leslie Maniga, vivant qu'on y a, il t'a
li ta kapab pa pale nan radio, men ta fè des analize pou an peti group. Le ta fè des analize pou le RDNP, par exemple, ou de membre. Bon, phrase ke te remè utilize. Il faut dire que te sorti Chili, kote yo te aplike formule sa. Something irregular. Li te ko toujou ap di lan anglè d'ayèr. Something irregular. Lors d'une situation et que le droit ne te donne pas des instruments pour prendre des décisions qui valables, qui conforment à une règle de droit ou à plusieurs règles de droit. Eh bien, étant donné qu'on fait face à une situation très difficile, il faut ou résoudre rapidement certains problèmes. Eh bien, on va appliquer, tant qu'on l'a même dit, something irregular. On va dire irrégulier, c'est-à-dire qui n'est pas reposé sur le droit. D'accord? Quand ce droit est parti en éclat, en ce qui nous concerne. Et les institutions n'existent pas. En pile fois, je dis, Mme Maniga, et oui, mais il faut faire un bagage qui est près et droit, etc. Le, oui, alors, c'est alors, ça. Oui, mais sauf que les gens qui disent qu'ils ne doivent pas être ni voisins ni voisines. Mais cependant, d'abord, il ne faut pas faire pour quand. Il faut qu'on essaye quand même de prendre le maximum de points de vue, pas de tout le monde peut-être, mais quand même, de certains partis, de certains secteurs, parce que, quand est bien, je suppose qu'on fait déjà ou même, moi-même, moi pas qu'on fait, mais moi le fait, compiler toutes les formules qui ont été proposées jusqu'ici. Toutes formules. Qui sont joints. On est un élément commun, à savoir l'isolement n'est pas de mise. C'est-à-dire, je suis roi, je décide, j'ordonne, etc. Non. Il faut, et même avant la mort du président, j'étais toujours à dire ça, ou pas capable de gouverner par vous-même seulement. Et maintenant, nous sommes dans une situation face à une catastrophe, il faut prendre des dispositions. Eh bien, ou pas gagner aide de la loi, ni constitution, ni loi, les institutions elles-mêmes n'existent pas, ou alors ils ont fracassé le Parlement. On est capable de dire que le tiers du Sénat, c'est encore le Sénat. Mais là encore, c'est irrégulier, tant que les citoyens m'ont dit. Si on prend ça, et bien dans ces conditions, il faut qu'on joigne des appuis dans la communauté nationale qui pourraient aider ou résoudre un problème urgent. Quand il y a urgence, mes amis, nous sommes pas à comprendre que on traîne, mais cependant, on a quand même un pays qui se démène. Nous avons des problèmes, ben, nous ne c'est pas de ça qu'on a parlé matin, mais nous avons des problèmes sérieux dans le pays, pas seulement la sécurité, nous avons des problèmes la vie chère, nous avons des problèmes de dollars, nous avons des problèmes de gasoline, etc., etc. Donc, on ne peut pas traîner. Et je pense qu'il fallait vraiment prendre énergiquement, peut-être de manière qui t'apparaît un petit peu dictatoriale. C'est possible. Mais on n'a pas de règles de droit à appliquer. Donc, il faut que ce soit des gens que la population est capable de faire confiance. Ah, c'est un tel qui l'a, c'est un tel qui a fait tel bagaille. Oui, on a la chance. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de sortir, nous, dans mes limelots que nous avons. Voilà. C'est ça. Et donc, sur le plan du droit constitutionnel, c'est une situation vraiment qui, on est capable de dire, elle est bonne à analyser. Ok, d'accord. Mais maintenant, je connais, question directe, et dans 7 juillet que nous t'es levé, qui est-ce qui t'es deux pour m'être là? Claude Joseph ou bien Dr. Ariel Henry? Bon, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas. Ni l'un ni l'autre. Précisément, c'est-à-dire que, bon, on n'est pas capable de faire comme si cette juillet n'avait pas existé, ça s'est passé. Donc, ça ne sert à rien de pour raciociner, pour dire si. Non. Donc, on pose des questions très claires. 7 juillet s'est posé comme problème. Maintenant, que fallait-il faire? Qui pouvait faire une déclaration? Par exemple, dès 7 juillet au matin, une déclaration à la nation. Parce que tout le monde apprend ni de bouche à oreille, ou par téléphone, ou par télévision. Le monde est à l'étranger, haïtien qui vit à l'étranger, il est au courant plus rapidement et plus totalement que nous-mêmes qui vivons en Haïti. Moi, je me disais que coup de téléphone à moins de l'étranger, beaucoup connaissent en Haïti.
D'accord. Donc, il y a une attente. Et une attente de quoi? Une attente d'une réponse. Parce que quand même, les gens pouvaient se sentir presque déboussolés. Or, le propre des dirigeants, c'est de rassurer la population. Un drame s'est produit, voilà, ceci, cela. Oui, mais cette déclaration devait venir, cette déclaration à la nation devait venir de qui? Bon, qui devait venir de qui? Moi, je pense que l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Okay. C'était l'occasion, effectivement, tous les deux, ils n'ont pas constitutionnel. D'accord? Eh bien, est-ce qu'ils se sont rencontrés, par exemple, pour dire, nous faisons une déclaration commune? Bon, maintenant, c'est trop tard. Mais nous faisons une déclaration commune. Mais c'est 7 juillet à l'aube pour être fait. C'est-à-dire pour que la population se sente rassurée. Surtout que qui ça y a dit population? Son commando venu de l'extérieur, 30 monde, etc., etc. La population était épouvantée. Quand on est pour, quand on est contre, il y a un fait dramatique. Un président en exercice a été tué. Mmh. Et il y a toutes sortes de détails, etc. Il fallait rassurer. Rassurer la population tout de suite, rassurer la midi, rassurer plus tard, dans ce cas, Claude Joseph marquait plusieurs points, puisque... Il y avait un pouvoir, pas comme dit la tête, parce que j'ai trop de... Sauf que c'est l'expression consacrée. Oui, même pas remède. Oui. Parce que moi, prendre au sens concret du terme. Non. Oui. Le pouvoir était à prendre. Voilà. Mm-hmm. Le pouvoir était à prendre et il l'a pris. Il tentait. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils font coup d'État. Ou quand il est le coup d'État. Mais cependant, il s'est empressé de se déclarer en charge. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne juridiquement responsable pour faire dans ce face cas, dans ce, à une telle dans, situation. Dans ce cas, est-ce que au niveau du palais, au niveau de la présidence, pas aucune entité, par exemple, qui a un rôle qui a joué, notamment, par exemple, le secrétariat de la présidence, non? Non, le secrétariat de la présidence n'est pas un organisme d'action, de décision. Non, c'est un organisme administratif ou capable de dire. Mais il y avait des unités de la police, il y a des unités de la police. Il y a 3 unités de la police qui sont là et leur rôle, c'est de protéger. On est capable de dire non seulement le président, mais plus loin, on dit protéger la présidence de la République, mm-hmm. qui est une institution.